Frères et sœurs, ce n'est pas parce que jeudi dernier c'était la Saint-Valentin que je vais vous lire le chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens, mais parce que c'est le désir exprimé par Maxime. C'est donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens que je vous lis ces versets 1 à 13. Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour patiente, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, ne fanfaronne pas, ne gonfle pas, n'agit pas avec inconvenance, ne cherche pas son propre intérêt, n'irrite pas, ne calcule pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit dans la vérité. L'amour endure tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne chute jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière énigmatique, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Frères et sœurs, il ne vous aura pas échappé que notre organiste a récupéré notre grand orgue et qu'il y a donc quelques jeux supplémentaires dont il peut se prévaloir. Autant vous dire que pour chanter ce cantique 278 aux strophes 1, 2 et 4, il va falloir que nous adoptions plutôt la version Westminster que la version protestant enfouie derrière son recueil de chants. Nous nous levons pour chanter cette foi qui renverse devant nous les plus hautes murailles.
Donne-nous ton esprit quand nous cherchons sans trouver, quand nous écoutons sans entendre, quand nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, alors ta parole nous fera vivre. Nous trouverons et nous serons trouvés, car nous entendrons la voix de nos frères. Chers frères et sœurs, il est vrai qu'après quelques excès de la Saint-Valentin, l'amour, ça peut faire un peu, ne me passez pas l'expression, cucu la praline. Ça ne fait pas toujours très sérieux ensuite de dire « Dieu t'aime, aimons-nous les uns les autres ». Et l'amour est pourtant au cœur de l'Évangile. Et c'est même le cœur de l'Évangile, et c'est précisément ce que Paul convoque ici dans ce texte. Et il me semble que si Paul fait appel à l'amour, c'est par opposition à ce qu'il entend combattre ici même, dans cette première partie de ce texte que nous avons entendu, le totalitarisme. Ce qu'il écrit, notre brave Paul, c'est que nous pouvons avoir le sentiment de posséder la vie en totalité, parce que nous possédons toutes les langues, aussi bien les langues des hommes que les langues des anges, c'est-à-dire si nous avons une possession totale des langues, que nous possédons tous les savoirs, toutes les sciences. Mais en fait, si nous n'avons pas d'amour, nous sommes vides, nous sonnons creux, comme certains qui veulent faire les cloches dans d'autres édifices cultuels. Nous pouvons avoir le sentiment qu'en donnant tous nos biens, nous atteignons la plénitude, le sommet de la vie chrétienne, qui consisterait dans un sacrifice total de tout ce que l'on possède, le sacrifice absolu de tous ces biens matériels. En réalité, si nous n'avons pas d'amour, cela ne mène à rien. L'apôtre Paul dresse comme cela une liste des totalités qui peuvent nous donner le sentiment d'une plénitude. La liste de toutes ces totalités qui, à vue d'homme, peut faire le tout d'une vie. Et cela pour mieux mettre en évidence que sans l'amour, tout cela n'a pas beaucoup de sens. Oui, on peut être polyglotte, voire porter en soi toutes les langues, si on n'a pas une personne avec qui communiquer, cela n'a pas beaucoup de sens. On peut être une encyclopédie sur pattes, si on n'a pas une personne
à qui rendre le monde un peu plus compréhensible, cela rend tout à fait vain notre savoir, et ainsi de suite. Il me semble que l'apôtre Paul nous met en garde contre ce principe de totalité, parce que la totalité nous fait courir le risque de la suffisance. La suffisance, c'est le sentiment que nous possédons tout, voilà, que tout est acquis définitivement. Et surtout, que nous avons une maîtrise totale des événements. Tout est entre nos mains, donc nous maîtrisons tout. Ainsi, l'apôtre Paul dénonce la foi, une foi qui serait telle, semblable à cela, et qui nous permettrait de déplacer les montagnes. Alors c'est étonnant parce que par ailleurs, Jésus semble dire que le but, ou en tous les cas le critère d'une vie chrétienne authentique, c'est d'avoir une foi à soulever les montagnes. Et même une foi grande comme une graine de moutarde devrait pouvoir faire cela. Mais quel est le risque d'une foi pareille si elle n'est pas animée par l'amour ? Eh bien, si Paul ne veut pas de cette foi capable de tout, mais dénuée d'amour, c'est parce que nous risquons de pouvoir effectivement soulever des montagnes, et que sans amour, nous risquons de les faire retomber sur le coin de la figure du premier venu. Être en situation de monopole, en étant dépourvu d'amour, c'est faire courir les plus grands dangers à ceux qui sont autour de nous. Car ce que nous possédons en totalité peut devenir une arme redoutable. Nous pouvons bien entendu penser à la détention d'un arsenal d'armes de destruction massive, mais ça c'est une illustration trop évidente. Pensons à d'autres monopoles, à d'autres totalités, les moyens de communication, les moyens de transport, les services d'hygiène, les services de soins. Si la folie nous prend de faire un mauvais usage de ce que nous détenons totalement, ou si la folie nous prend de ne plus en faire aucun usage et de bloquer quelque chose, eh bien cela devient une arme terrible. Il en va de même de tout pouvoir qui, détenu dans les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe, devient une mécanique qui a le pouvoir d'écraser quand bon lui semble. Si Paul dénonce les totalités dépourvues d'amour, c'est parce qu'elles conduisent au totalitarisme qui peuvent exercer librement leur tyrannie. Et c'est pour cela que, en général, les tyrannies n'aiment pas l'amour. Parce que le propre de l'amour, c'est de briser la totalité en exprimant autre chose que le tout. L'amour brise la totalité parce qu'il nous donne l'intuition de l'infini, qui évidemment ni le principe de totalité. L'amour est cette intuition de l'infini, cette intuition de la transcendance qui ruine les totalitarismes qui, eux, nous installent dans la certitude de la suffisance, que tout est là, définitif, qu'il n'y a plus rien à faire. L'amour, au contraire, ouvre des perspectives, nous relie à plus que nous-mêmes, nous fait aimer activement au lieu de nous enfermer dans un état d'autosatisfaction. Et parmi les tyrannies qui écrasent l'homme, il en est une redoutable qui a la couleur de l'amour, mais qui n'est pas à l'amour, c'est l'amour. Non pas l'amour dont parle Paul, l'amour dont parle Paul c'est l'agapé. Mais pour être plus précis, le sentiment amoureux. La description de l'amour telle que Paul la réalise dans les versets 4 à 8, présente l'amour non pas comme un état, mais comme un acteur. Selon Paul, l'amour agit. L'amour est sujet de toute une série de verbes qui ne sont pas des verbes d'état, mais des verbes d'action. Paul n'aurait probablement pas encouragé une fête des amoureux,
Il aurait plutôt encouragé une fête des aimants, ceux qui aiment activement. Parce que l'amour dont il est question ici n'est pas synonyme d'apprécier. L'agapé, ce terme grec qui désigne l'amour dont Dieu est la source, n'est pas cet amour qui nous fait dire en français qu'on aime un tableau, un paysage, une silhouette ou l'odeur des croissants, quand ce n'est pas l'odeur du napalm au petit matin. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un état. L'amour n'est pas une sensation, ni une émotion, sous la plume de l'apôtre Paul. L'amour est dynamique, l'amour agit, l'amour entreprend. Et c'est d'ailleurs ce qui lui permet de briser les totalitarismes. Ces totalitarismes qui s'efforcent de maintenir les choses en l'état, afin de préserver la totalité de ce qui fait sa raison d'être. Parce qu'il est dynamique, parce qu'il agit, parce qu'il récuse même l'idée de totalité, l'amour est ce qui nous arrache à nos replis sur nous-mêmes. Cette autosuffisance déjà évoquée, ce gentil ronron dans lequel nous nous enfermons lorsque la force de l'habitude vient stériliser toute curiosité de ce qui se vit au-delà de notre univers. De ce point de vue, la religion, évidemment, peut constituer un tragique enfermement lorsqu'elle prétend détenir la totalité de la vérité. C'est ce que dénonce avec talent le théologien Emerson, dans un récit qu'il fait d'un culte auquel il a assisté. C'est dans son discours aux étudiants de Harvard, ceux qui un jour devront prêcher. Texte redoutable pour tous les prédicateurs. C'est peut-être ce qui est en train de vous traverser l'esprit, alors je vous le livre. J'ai entendu une fois un prédicateur qui me donnait fortement envie de me dire à moi-même « Je n'irai plus jamais à l'église ». Les hommes vont, me disais-je, là où ils ont l'habitude d'aller. Sinon, aucune âme n'y serait entrée cet après-midi-là. Il continue ainsi. Une tempête de neige s'abattait autour de nous. La tempête était bien réelle, mais le prédicateur n'était que spectral. Et l'œil était frappé par ce triste contraste entre lui et, à travers la fenêtre, juste derrière lui, le beau météore de neige. Il avait vécu en vain. Il ne prononça aucun mot qui donna à penser qu'il ait jamais ri ou pleuré, qu'il ait été marié ou amoureux, qu'il ait été l'objet d'éloges, de tromperies ou de peines. Aucun de nous n'aurait pu affirmer qu'il ait jamais vécu ou agi. Le grand secret de sa profession, qui est de convertir la vie en vérité, il ne l'avait jamais appris. De toute son expérience, pas un seul fait n'était passé dans sa doctrine. Fin de citation. Le chrétien n'est pas coupé du monde. Dieu aime le monde, le croyant aime le monde. Il ne l'aime pas comme le monde aime, à grand renfort de sentiments et de satisfaction. Il aime le monde en prenant soin de lui, patiemment, rendant service, sans jalouser, sans fanfaronner, sans gonfler, sans irriter, sans calculer le mal, sans se réjouir de l'injustice, mais en se réjouissant tout de même avec la vérité, endurant continuellement, croyant continuellement, espérant continuellement, supportant continuellement, ne succombant jamais. Parce que la force des chrétiens et des croyants en général, c'est de ne pas croire que la vie amoureuse devrait être simplement un sentiment. Que l'amour ne devrait pas être ravalé au seul état de sentiment. Parce que, du coup, on peut aimer sans être amoureux. Et c'est ça la force des croyants. C'est que nous pouvons aimer sans être nécessairement amoureux. Aimer ses ennemis, on se dit, c'est impossible. C'est impossible si on considère qu'il faut d'abord être amoureux de ses ennemis pour les aimer. Mais il n'est pas question de cela. On peut aimer ceux qui ne sont pas aimables non plus.
parce que l'amour que l'on porte à quelqu'un ne dépend pas des qualités ou des dispositions de ce quelqu'un. Et c'est lorsque nous aimons vraiment, selon ce que décrit l'apôtre Paul, que nous rendons non seulement tangible mais aussi crédible l'amour de Dieu qui dès lors cesse d'être un peu cuculapraline pour devenir un acte extrêmement sérieux qui prend chaque être humain au sérieux. Là où beaucoup s'inquiètent de savoir s'ils sont aimés, et ce qui devient une quête désespérée du coup, parce qu'en permanence, on veut vérifier que l'autre nous aime totalement, qu'il ne pense qu'à nous, que nous sommes tout son univers. Eh bien, au lieu de cette quête désespérée, le croyant entend, notamment à travers ce qui est dit lors du baptême, que nous sommes aimés de manière radicale par Dieu, qui nous rend capables à notre tour d'aimer, de prendre soin des autres, de tous les autres, de reconstruire ce qui a pu être blessé par l'homme, d'être effectivement à l'image de Dieu, créateur. Et cela, sans être soumis à la tyrannie des sentiments. Pour tordre une formule connue, ce n'est pas l'amour qui rend aveugle et le mariage qui nous rendrait la vue. C'est le sentiment amoureux qui rend aveugle et l'amour qui rend la vue. L'amour, l'agapé. Car c'est par là que s'accomplit le texte de Paul, l'amour qui permet de connaître vraiment. L'amour, écrit Paul, c'est ce qui nous permet de passer d'une connaissance partielle à une connaissance parfaite. Il faudrait peut-être dire plutôt une connaissance ultime, parce que c'est le mot grec teleios qui est utilisé ici. Teleios qui signifie l'accomplissement, mais aussi la fin, la destination. En utilisant la métaphore du miroir, Paul déclare que pour le moment nous ne voyons que de manière énigmatique. Pas très clair tout ça. Alors évidemment, à l'époque, vous me direz, les miroirs n'avaient pas cette qualité de réflexion qu'ont les miroirs de nos jours. Certes, mais ce n'est pas simplement l'image et sa qualité qui sont convoquées ici par la métaphore. Certes, une image est toujours partielle par rapport au sujet qui est reflété, mais le face-à-face a ceci de caractéristique et de préférable au reflet qu'il remet l'image dans le bon sens. Et au fond, le face-à-face, qui est un acte d'amour, c'est ce qui permet de redresser les images tordues. Par l'amour, l'homme cesse d'être une énigme parce que non seulement nous avons accès à autre chose que la surface des personnes, des situations, mais aussi parce que l'amour reforme ce qui est déformé par notre vision des choses. Et cela tient au fait que notre regard est passablement pollué, pollué de bien des choses. Parce que nous collons des étiquettes « en voulez-vous, en voilà » sur les personnes qui nous entourent, avant même souvent de les avoir rencontrées. Nous surfons allègrement sur les rumeurs. Et bien souvent, notre savoir est surtout une collection de rumeurs. Et nous sommes tellement certains des définitions que nous promulguons que nous avons le sentiment qu'elles disent le tout de la vie et que ce n'est même pas intéressant de prendre le temps de s'intéresser à la situation pour découvrir ce qu'est cette situation. Nous nous contentons de ce qui pour nous fait office de totalité. Mais voilà. Mais voilà qu'un visage nous fait face, un vrai visage, non pas simplement un reflet, un vrai visage. Un visage qui n'est pas réduit à sa face visible. Un visage qui, d'un seul coup, nous fait accéder à autre chose que ce que nous avions en tête. Un visage qui demeure infiniment transcendant par rapport à toutes les images que nous pouvions avoir sur la personne en question. Évidemment, c'est Emmanuel Lévinas qui parle de cela le mieux qui soit dans totalité et infini. Il en parle en termes d'épiphanie.
le visage qui s'adresse à moi et qui me lance un appel. Il y a un visage qui en appelle à moi et qui rompt avec le monde, qui rompt avec mon monde, avec ma totalité, qui fait une brèche dans mes certitudes. Et aimer, c'est lorsque nous acceptons de laisser tomber nos grilles de lecture, que nous acceptons de laisser tomber les définitions qui définissent ce qui, en réalité, est infini. Aimer, c'est apprendre de l'autre qui il est, au lieu de lui imposer un rôle. C'est aller à la source de la connaissance, en fait. Ainsi, Shakespeare fait-il dire à Don Pedro dans Much Ado About Nothing, « Mon amour t'enseignera, et tu verras comme il est capable d'apprendre toute leçon difficile qui peut te faire du bien. » L'amour est donc ce ressort, le ressort pour atteindre une véritable connaissance des situations et des personnes. L'amour et non pas le sentiment amoureux. Ce sentiment amoureux dont dès le départ, Paul avait établi une belle disqualification. Parce qu'évidemment, au nom du sentiment amoureux, au nom de tout ce que Paul a décrit, il peut s'en passer des horreurs. Songeons à cette personne qui dirait à son fils ou à son conjoint, « Songe que j'ai donné toute ma vie pour toi, que j'ai donné tout mon cœur pour toi. » Ça, c'est une vraie tyrannie. Ou alors, quelqu'un qui, du haut de sa chair, dirait « Moi et mes études, nous savons nécessairement mieux que vous ce qu'il en est. » Mais tout cela ne sont que des approches de ce qu'est la vérité. Il y a un visage qui s'approche. Et ce visage bouscule mon savoir, le relativise, et il le relativise pour ce qu'il est, seulement une opinion, partielle, qui laisse intacte, en fait, l'énigme qui se présente à moi, et qui chamboule mes catégories, qui chamboule mes certitudes, pour peu que je sois un peu perméable à l'amour. Parce que l'amour peut endurer, il me rend capable de mettre mes pieds dans les chaussures de celui qui s'approche vers moi. Il me rend capable d'un peu d'empathie. Il m'aide à mieux comprendre son univers. Il m'aide à mieux accéder à son intimité, à ce qui le caractérise, à son identité véritable. Ne pas en rester à la surface, mais explorer de l'intérieur, découvrir ce qui évolue, ce qui se métamorphose, ne pas en rester un état figé. Découvrir ce qui est en train de naître chez l'autre, et naître avec lui, connaître. L'amour, c'est ce qui transcende notre savoir figé, totalisant, en une connaissance qui fait droit à la vie qui, elle, ne cesse d'évoluer. L'amour, c'est ce qui conduit l'être par-delà lui-même. Amen. Thank you.